Est-ce qu'on devrait commencer? Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance du mois d'octobre. Je veux juste commencer rapidement sur les instructions pour vous rappeler qu'on est filmé sur YouTube. Les gens qui sont à l'intérieur vont être à l'écran. Ceux qui sont à l'extérieur, on ne les voit pas sur YouTube. Aussi, en raison de la COVID, nous demandons de porter le masque si vous allez au micro. Il faut garder le masque même au micro. Quand vous êtes assis, vous n'avez pas besoin du masque. Alors, c'est à peu près ça. Pas de file d'attente non plus au micro. Good evening. I would like just to remind everyone that we're being filmed and on YouTube. People that are in the audience in the outside are not seen on online, but the people that are in the inside will be seen on YouTube. Because of the pandemic, you have to wear your mask when you go up front for question period, but you can remove it when seating. And no lineups at the mic. No, you have to keep it at the mic, but remove it when you're seating. Okay? And that's it. Just before we open the meeting, juste avant qu'on ouvre la séance, je voulais juste ajouter quelques mots. Vendredi, plusieurs d'entre nous ont été élus par acclamation. J'ai été assermentée ce matin. Alors, officiellement, je suis mairesse de Saint-Lazare. Je veux juste dire que je suis très, très, très fière d'être la première femme mairesse de la ville de Saint-Lazare qui a 146 ans. Ça a pris un peu de temps, mais voilà. Alors, c'est quand même... C'est une fierté pour moi d'être ici aujourd'hui, ce soir. Je voulais aussi féliciter les autres élus qui ont été acclamés vendredi et aussi bonne chance à ceux qui sont en élection pour le 7 novembre, le district 3 et le district 4. Alors, ces districts-là, il faut aller voter. C'est très important pour la démocratie du district 3 et 4 là, d'aller voter. Je voulais remercier vite, j'ai eu une cinquantaine de bénévoles qui m'ont aidé depuis le mois de juin. J'ai des gens qui m'aident pour ma campagne. Moi, ça fait longtemps que je l'avais commencé, mais je voulais juste passer un mot pour les remercier. C'était grandement apprécié. Le soutien que j'ai eu, c'est formidable. Alors, c'est vraiment avec fierté puis enthousiasme qu'on commence un nouveau mandat bientôt. On est un peu entre deux chaises présentement, mais... bientôt, on sera tous ici, les 9 nouveaux élus. Alors, c'est tout pour mon petit mot. La dernière chose, c'était que je voulais rappeler aux gens qu'il y a le dernier marché local ici à l'Hôtel de Ville, en stationnement, samedi de 10h à 2h? 4h? 4h. De 10h à 4h, samedi matin. Alors, ça va être le dernier pour l'année. C'est tout pour moi. Alors, on va ouvrir... Est-ce qu'on ouvre la... Oui. Juste pour vous dire que vous avez récolté le fruit que vous avez semé. Vous êtes la première femme mairesse de Saint-Lazare et cette chaise vous va à merveille. Félicitations. Merci, M. Patra. Alors, on va ouvrir la séance. Pierre. Un vote? Pour, excusez. T'es le premier. OK. La période de questions? Oui. Alors, vous avez non seulement un écran rouge sur l'arrière, mais vous avez un citoyen qui est en Zoom. Alors, ce soir, c'est une première puisque le citoyen sera en Zoom. Avant de l'admettre, je vous rappelle que lui ne vous verra pas. Vous allez le voir sur les écrans dans la salle, mais lui, il n'aura pas le plaisir de vous voir. Donc, il faudra en tenir compte. Alors, M. Philippot, qui peut-être a, par contre, ouvert son YouTube à la maison, alors peut-être qu'il est en mesure là, de suivre mieux, donc pourra poser sa question. Okay. Alors, je vais lire sa question. Est-ce que ça, ou M. va le demander?
Est-ce qu'il nous entend? Normalement, son micro semble ouvert. Sa caméra est ouverte aussi. Donc, je l'invite à poser sa question. Est-ce qu'il n'a pas l'air de nous entendre? Il semble que, parce que normalement, dans les... c'est le premier citoyen à s'adresser à vous de cette façon, mais on a fait des réunions à l'interne, même cet après-midi, et le son fonctionnait très bien. Monsieur Philippot? Yes. Ah! Would you like... Would you like to ask your question, or would you like us to read it? Well, I'm asking the same question again. Is Pierre Casavant there? Yes, I am. Okay, Pierre, you talked to me the last couple of weeks, 2 weeks ago. Yes. On Rue des Plaines, we talked about the garage and the bylaw. I remember. Yeah, you wrote it down, and I was still waiting for your answer, but you never got back to me on it. About the bylaw for 6 meters away from your property line. If my question was, is there any way we could have a grandfather law for new owners that buy these houses with no garages and permission to buy it, to build a garage attached? Well, first of all, Mr. Iannucci, the reason why I didn't get back to you is because I had an answer today, this afternoon. I spoke about your particular case, and that's the reason why I didn't have time to get back to you. I was going to go there to see you in person tomorrow to talk about it, but I spoke to the urban department this afternoon regarding your case, and 6 meters, I believe when I spoke to them, they told me it was 4 meters. Am I wrong? Yeah, it was 4 meters. So 6 meters, I'm not sure where that number comes from, but if eventually, yeah. I applied for the information. I was told 6 meters. I said, are you sure it's not 6 feet? She says, no, it's 6 meters from my property line. Okay, well, the... So I stopped everything, and I even told my next door neighbor that what happened, because he wanted to extend a little bit his garage also, like I told you last time. Yes, yes. Well, I don't know who told you this, but definitely it's 4 meters. But regardless whether it's 6 or 4, there's still not enough room to add your garage, attach it to your house. But I was told there might be another option. And if you would like, you can recontact the urban department, and they'll be glad to speak to you about it. But there's definitely another possibility. You can probably call Alexandra. She's the director of urban, and she'll be able to help you. Do you have a phone number? You can forward it to her, to him. You can call the main number, city, and her extension is 232. Thank you. Appreciate that. All right, I'll be calling her, and we'll discuss it and see what we can come up with. Perfect. Thank you very much. You're welcome. Would you still like me to visit you and discuss other things, or? Yeah, we'll have a coffee together. All right. Well, I'll be there tomorrow. Okay. Thank you. Alors voilà, c'était la seule. Attendez-moi si je rapproche le micro de moi. C'est la seule question qui a été enregistrée avant la séance, donc on pourrait procéder à la période de questions pour les personnes présentes. Est-ce qu'il y avait des questions dans la salle? Monsieur Meads? I'm just waiting for you to test me, you know? Just be nice. Other people are running, like two others in Charles. For District 3, you think they'd make an effort to show up. That's right. Instead, Mark Emaw here, and I think there's somebody running against you, Darren Iktovich. Whatever. Yeah, whatever. Whatever. Well, you think he'd make an effort to show up and say something. Well, congratulations. I'm glad to see you sitting there. Thank you. And as far as things go in my area, I'm happy. You know, things work. But again, Mark was talking to me. There's one house in Shaolin Valley needs to be investigated. There's something very wrong. Very, very wrong.
the police should actually show up. So I encourage you to call the SQ if you think there's something wrong. I don't want to call the SQ. I think this town should go and investigate and see what's going on. Okay. The guy lives right across, sideways across from a lady who's 84 and he keeps her house immaculate. And this place is a pigsty. I think I brought this up. Yeah, you remember that, right? Yeah. Thank you. I'm not finished. Well, I invited you, okay. Well, is there ever a chance of the citizens getting to meet all the directors who work here at City Hall? It's not something that's usually done, though. But I don't know why you would need to meet them. Oh, you know why. I have my eyes on. Mr. Meads. Face to face. I'm don't make me regret inviting you to the mic. Well, still bugs me. Yeah, I know. We'll talk about it. Defamation of character, and I didn't. We'll talk about it another day. Why? Why can't we talk about it right here and now? Because it's not the place. It's not the place. We've talked about it before. Yeah, and you want to drop it. You don't want me to mention it. It's a question period. You have to. It's a question. You have to ask a question. It's okay. It's not a question. Mr. Meads. Yeah. Thank you. Well, I can make it a question. Why can't I meet certain people at the It's not protocol to meet the employees, but thank you for coming to the mic. I'm going to go up just to try to lighten the load a little bit. All right. So as you know me from the last two town meetings, Marie Morin, félicitations à tous ceux qui ont été acclamés. Merci. Bonne chance aux deux autres districts. En fait, ça fait deux mois là, que je viens. Avant, je regardais ça de la maison. Puis là, je me suis dit, j'ai toujours apporté une nouvelle idée, des choses comme intéressantes, tant qu'à moi, là, évidemment. Fait que là, j'ai une plainte à faire. On va faire. C'est une plainte environnementale. Puis là, tu sais, les arbres, là, à un moment donné, faut que ça arrête. Là. Moi, là, je suis rendue que j'ai un chêne, là, il est à l'âge que là, il droppe toutes ses noix, puis là, ça cogne sur ma chaîne. On pensait que mon voisin était en train de virer fou. Là, on se posait toutes sortes de questions. On s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut même pas le couper. Là, il est à l'âge adolescent. On va avoir ça pour encore 50 ans à endurer. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est une joke, évidemment. Monsieur Meads, can you take that? This is the kind of thing you need to bring up. That is going to give you cancer. Mais félicitations à tout le monde, puis j'ai hâte au prochain. Est-ce que la prochaine rencontre va être en novembre quand même? Oui, mais une semaine plus tard. La troisième semaine. C'est ça. La deuxième c'est le 16. C'est le 16. OK, le deuxième. Le calendrier des séances est adopté par résolution chaque année par le Conseil. Le calendrier actuel a été adopté l'an dernier en octobre ou en novembre. Donc, vous avez déjà les dates sur le site Internet de la Ville et la prochaine séance est le 16 novembre. Super. Merci beaucoup, Mme Renaud. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? OK. Alors, on adopte l'ordre du jour. Pour. Merci. La première résolution qui va être présentée ce soir, je m'excuse, je déroule non pas le rebord. C'est une autorisation temporaire pour un usage de récréation extensive. En fait, c'est une exposition canine qui aura lieu, un événement canin, pardon, au complexe sportif Saint-Lazare. En fait, c'est la tenue du même type d'événement qui a eu lieu un petit peu plus tôt cette année, qui sera repris par les mêmes organisateurs. Donc, toujours, par contre, c'est évidemment les dates qui ont changé. Alors, du 14 au 18 octobre prochain, l'événement sera donc organisé sur le site de l'actuel parc équestre, donc tout près du complexe sportif Saint-Lazare. Ça comprend toujours un hébergement de camping, ce qui n'est pas prévu par la réglementation municipale. Alors, pour cette raison-là, il y a différentes considérations qui sont émises, mais le Conseil souhaite la reprise de l'événement aux mêmes conditions que celles qui ont été applicables dans les éditions antérieures de l'événement.
Donc, ce qui est proposé, en fait, c'est d'autoriser la tenue de l'événement Canin aux dates que je vous ai mentionnées. L'organisateur est le club Canin Hochelaga Incorporé et les conditions sont celles qui étaient, comme mentionné antérieurement, là, celles qui ont été données dans le passé. Donc, pas de feu, la quiétude du voisinage doit être assurée. Pas d'affichage sur le site, pas de frais exigés des campeurs. L'aménagement du site doit aussi comprendre des allées pour permettre en tout temps l'intervention du service de sécurité publique et de sécurité incendie s'il y avait lieu. Évidemment, le lot municipal qui sera utilisé doit être laissé propre à la suite de l'utilisation et tous les moyens doivent être pris par les organisateurs pour respecter les conditions et ils sont également responsables de tout dommage qui serait occasionné. Un vote, s'il vous plaît. Pour. 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 La prochaine résolution concerne l'acquisition d'une œuvre à la suite du projet Terre-Mer. C'était la deuxième édition du projet qui a été réalisé par le Musée régional de Vaudreuil-Soulanges et le Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges. Le projet vise la création d'une œuvre d'art qui implique la collaboration des élus, donc en fait le maire de chacune des municipalités, des 23 municipalités de la MRC et un artiste. Alors l'acquisition de l'œuvre par la ville permet de supporter financièrement non seulement l'artiste qui a été sélectionné, mais également le Musée régional de Vaudreuil-Soulanges. Alors, il vous est proposé d'autoriser l'acquisition de l'œuvre qui a été réalisée par l'artiste Céline Poirier avec la participation de M. Robert Grimaudeau pour un montant de 1 250 $. Un vote, s'il vous plaît. Pour. 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 Merci. La prochaine résolution est l'approbation du procès-verbal qui a été réalisé à la suite de la dernière séance en septembre, en fait le 14 plus précisément. Le projet de procès-verbal est déjà déposé à titre préliminaire sur le site Internet de la Ville. Un vote, s'il vous plaît. Pour. 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 Merci. Ensuite, on donne deux avis de motion. Donc, la mairesse, Mme Geneviève Lachance, donne ce soir son premier avis de motion, qui est en fait l'adoption du règlement 1111. C'est un règlement qui va modifier le règlement relatif à la circulation, plus précisément afin de préciser certaines vitesses sur le chemin Saint-Angélique et aussi sur la montée Saint-Lazare. Le projet de règlement est déposé et il sera bientôt accessible sur le site Internet de la Ville. Le deuxième avis de motion concerne le règlement 1112 qui remplacera le règlement 885. C'est le règlement qui prévoit actuellement les conditions de délivrance d'une carte accès, en fait la carte du citoyen, qui dorénavant deviendra la carte accès Saint-Lazare, un peu à l'image de la Ville de Montréal. Le règlement sera aussi est déposé officiellement ce soir et sera disponible sur le site Internet de la Ville dans les prochains jours. La prochaine résolution est la permanence d'emploi du directeur général. Alors, M. Hervé Rivet, qui a été embauché en avril dernier, a complété avec succès la période d'essai et est également à ma gauche ce soir. Alors, on confirme la permanence d'emploi de M. Rivet dès maintenant. Un vote, s'il vous plaît. Pour. Je vais y penser. Pour. Pour. Félicitations. Pour. Je peux voter? Oui, effectivement. Je vais voter moi aussi. Je vais voter moi aussi parce que je pense que c'est important comme résolution. Et je vais voter pour. Une félicitation, M. Rivet. La prochaine résolution est une autre permanence d'emploi, c'est-à-dire pour le poste de contremaître bâtiment au Parc Nature et Forestier de Saint-Lazare, de même que ressources matérielles. Alors, notre collègue Jean-François Farran, qui occupe le poste depuis avril dernier, a complété lui aussi avec succès la période d'essai à laquelle il était soumise. Alors, il est proposé de confirmer la permanence d'emploi de M. Farran dès maintenant. Un vote? Pour. 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 Félicitations, M. Farran. Pour. La prochaine résolution concerne le paiement des comptes pour un total de 4 260 939,56. Un vote? Pour. 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 Merci.
Maintenant, on procède à l'installation d'arrêts toutes directions aux abords du chemin Saint-Angélique, plus précisément aux intersections avec les rues Bellevue et Blueberry Forest. Alors, on rappelle la compétence de la Ville en matière de transport et de sécurité municipale. Donc, il y a eu quelques incidents qui sont survenus aux intersections que je vous ai précédemment mentionnées. Le comité consultatif en matière de sécurité municipale recommande l'implantation des arrêts. Alors, le projet de résolution qui est soumis est d'installer des panneaux d'arrêt sur le chemin Saint-Angélique aux intersections avec les rues Bellevue et Blueberry Forest. Un vote, s'il vous plaît. Pour. 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 La première résolution dans la portion urbanisme et environnement concerne une demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole. C'est une autorisation qui survient dans le cadre de l'installation d'une nouvelle conduite de refoulement au poste de pompage sanitaire Bédard. Donc, il y a tout d'abord une résolution de septembre dernier qui a conclu un contrat de service professionnel avec la firme Chelex pour la préparation des plans et devis, puis la surveillance éventuelle des travaux pour augmenter la capacité du poste de pompage. Donc, on va mettre à niveau le traitement des eaux usées. Il faut cette mise à niveau-là pour répondre aux normes du ministère de l'Environnement implique donc qu'il y aura une nouvelle conduite souterraine qui passera dans des zones agricoles, d'où l'intervention requise de la Commission de protection du territoire agricole. Alors, on considère différents éléments de la loi sur la protection du territoire agricole, le fait qu'il n'y a pas de contraintes en vertu du règlement de zonage, qu'il n'y a pas d'autres espaces appropriés sur le territoire pour aller poser la conduite, surtout qu'on est quand même assez contraint, et qu'il y a des servitudes d'ailleurs aussi qui sont nécessaires pour la construction des infrastructures. Alors, la proposition est de demander à la Commission d'autoriser en fait la nouvelle utilisation à une fin autre que l'agriculture, soit l'implantation de nouvelles conduites de refoulement et de mandater la firme Chelex pour produire la demande à la Commission de protection. On vote, s'il vous plaît. Pour. 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 Vous avez quelques demandes de permis de construction qui sont assujetties à des plans d'implantation et d'intégration architecturale. Le premier dossier est la construction d'une habitation multifamiliale qui sera située au 2114 du chemin Saint-Angélique. Vous avez, ce soir, je fais l'essai d'un nouveau type de visuel. Il y a un petit peu plus de jaune qu'à l'habitude. Alors, ça assure de ne pas s'endormir. Dans un premier temps, vous avez un plus grand visuel où vous voyez le terrain pour vous aider à le localiser sur le chemin de Saint-Angélique. Et on est tout près ici là, de la rue Stéphane et de la rue Michel. Vous avez une échelle différente, en fait, le lot comparativement à tout le secteur. Donc, si ça peut aider à vous localiser. La demande a été analysée par le comité consultatif d'urbanisme en août dernier. Alors, c'est une habitation multifamiliale qui comporte donc certains logements avec les matériaux que vous voyez à l'écran. Le projet respecte les critères et les objectifs qui sont prévus au règlement sur les PIA, à l'exception d'un critère pour l'implantation des constructions de manière à respecter l'alignement des façades adjacentes. Dans ce contexte, le CCU recommande l'acceptation du PIA, mais sous certaines conditions, qui sont en fait au nombre de deux. Tout d'abord, augmenter la marge de recul avant pour aligner la façade avec le bâtiment qui est situé au 2138, chemin Saint-Angélique, et de retenir l'option 1 qui est proposée pour les insertions architecturales entre les fenêtres. Alors, il est proposé d'entériner la recommandation du CCU et d'accepter le PIA sous réserve qu'il tienne compte de ces conditions. Un vote, s'il vous plaît. Pour. 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 La prochaine résolution vise également la construction d'une habitation multilogement qui sera située au 2126 chemin Saint-Angélique. Alors, on est dans le même secteur. Vous voyez là, toujours le visuel, même avec le visuel un petit peu plus là, en retrait, vous voyez qu'on est dans le même secteur. Dans ce cas-ci, la demande a également été analysée le 17 août dernier par le comité consultatif d'urbanisme. Les matériaux qui seront utilisés pour l'habitation multilogement sont montrés à l'écran. Ça respecte les critères et les objectifs qui sont prévus à la réglementation municipale sur les PIA, sauf le critère d'implantation au niveau là, de l'alignement des façades. Alors, dans ce cas-ci, le CCU fait donc les mêmes recommandations que dans le dossier précédent. Tout d'abord, d'augmenter la marge de recul pour que ce soit aligné avec le 2138 chemin Saint-Angélique et finalement de retenir l'option 1 en ce qui concerne l'insertion architecturale entre les fenêtres. Alors, compte tenu de ce qui précède, on vous recommande d'accepter
les recommandations du CCU et donc le PIA, sous réserve qu'ils soient modifiés. De même, il y aura une condition supplémentaire à celles qui ont été proposées par le CCU. Le bâtiment principal projeté doit être accordé au réseau d'égouts sanitaires par un système de rejet hors pointe temporaire ou tout autre système équivalent accepté par la Ville jusqu'à ce que la capacité du réseau municipal soit suffisante. Cette suffisance du réseau sera confirmée par un écrit de la Ville. Un vote, s'il vous plaît. Pour. 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 La prochaine résolution vise une enseigne détachée pour une entreprise commerciale qui est située aux abords de la route de la Cité des Jeunes. Alors, vous avez le site qui est en cause, que vous reconnaissez peut-être avec le visuel aérien. On est tout près. Vous avez aussi le visuel un petit peu plus là, en retrait. Alors, le plan a été analysé le 21 septembre dernier pour l'affichage de l'entreprise commerciale. Les travaux consistent au remplacement de deux panneaux sur l'enseigne communautaire qui est existante. Alors, des panneaux seront apposés. Ça respecte les critères qui sont prévus au règlement sur les PIA et le CCU recommande d'accepter le PIA déposé. Un vote, s'il vous plaît. Pour. 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 La dernière résolution en ce qui concerne la section de l'urbanisme concerne une enseigne détachée pour l'entreprise commerciale qui est située au 1592 chemin Saint-Angélique. Alors, pour vous aider à vous repérer dans le visuel, on est sur le chemin Saint-Angélique et on est tout près, par exemple, ici, là, de l'ancien site du Garage Blais, l'école Auclair, où vous voyez mon curseur. Donc, vous avez une idée où est-ce qu'on se situe. Alors, l'analyse a été faite le 21 septembre dernier par le comité consultatif d'urbanisme. Les travaux consistent à l'installation d'une enseigne détachée sur le support existant qui sera installée comme montré, comme on le rappelle dans le préambule de la résolution. Le projet respecte les critères qui sont prévus au règlement sur les PIA et le CCU recommande l'acceptation dans la mesure où l'éclairage indirect de l'enseigne est fait par des luminaires en type col de cygne. Un vote? Pour. 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 Juste avant, pour ce commerce-là, je sais que ça l'ouvre le 16 octobre sur Saint-Angélique. Alors, ça serait bon pour nos résidents d'encourager les commerces locaux. Je ne sais pas pour celle de Source Cité des Jeunes, mais celui-ci, c'est le café Tom Paul. Le 16 octobre. Merci. La prochaine résolution concerne la vente des immeubles situés au 728 et 736 rue Charbonneau. Alors, comme vous le savez, il y avait un processus de vente qui avait été entrepris à la suite d'un contrat conclu avec un courtier immobilier. Donc, les démarches ont été entreprises et finalisées. Alors, on est en mesure ce soir d'autoriser la vente du 728 rue Charbonneau à Mme Cathy Floyd pour un montant de 520 000 $ et le 736 rue Charbonneau à Alex Paré et Jenny Elniok. C'est un montant de 580 000 $ Alors, la mairesse et moi-même sommes autorisés à signer les actes de vente qui surviendront. Un vote, s'il vous plaît. Pour. 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 Oui. I knew I'd get a reaction from him. La prochaine résolution est un contrat pour assurer le développement stratégique et l'optimisation du captage des eaux souterraines. Alors, compte tenu des périodes de sécheresse qui sont plus intenses depuis, entre autres, les deux dernières années, combinées à des précipitations qui ont été inférieures à la normale en période hivernale, donc, ça s'est traduit par un abaissement marqué des niveaux d'eau de certains puits et par des mesures de restriction d'usage. Entre autres, vous avez tous entendu parler des restrictions d'arrosage sur le territoire de la ville. Donc, compte tenu de l'importance pour assurer un approvisionnement à long terme en eau potable à la ville à partir des eaux souterraines, donc considérant les événements climatiques, leur reproductibilité selon une plus grande fréquence dans les années à venir. Alors, entendu aussi les services professionnels en hydrogéologie qui ont été requis, entre autres pour documenter les effets des changements climatiques sur les fluctuations des niveaux d'eau, sur les variations des taux de réalimentation et de recharge des aquifères et finalement sur les modifications qui sont anticipées au niveau des taux d'exploitation.
On considère également les alternatives de gestion des mesures de mitigation qui vont permettre de limiter les conséquences des effets climatiques sur l'exploitation des aquifères qui devront être proposés pour donc essayer la pérennité de la ressource. On considère finalement les articles de la loi sur les cités et villes relativement à l'octroi des contrats pour autoriser ce soir une dépense maximale de 24 900 $ taxes incluses. Ça sera pour effectuer là, différentes études pour être mieux outillé et optimiser la gestion des eaux. C'est une résolution très importante parce que ça touche tous les citoyens de Saint-Lazare. Alors, un vote, s'il vous plaît. Pour. 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 Merci. Le prochain contrat est pour la refonte complète du site Internet de la Ville. Alors, un appel d'offres public avait été autorisé précédemment. Le site actuel a été conçu il y a plus de 8 ans. Alors, il ne répond plus aux exigences en termes d'expérience d'usager, de mobilité et de référencement. Le site Internet, on le sait, doit permettre une grande convivialité et un accès rapide au contenu. Et également positionner la ville comme une ville moderne, actuelle, accessible aussi aux personnes handicapées. Alors, les visiteurs doivent être incités à l'action dès leur arrivée dans le site. Donc, c'est ce à quoi Veron tendra. L'analyse des soumissions qui ont été déposées fait en sorte que la firme Lanec Solutions Web a obtenu le pointage le plus élevé. Et il est proposé ce soir de conclure un contrat de service professionnel avec cette firme pour la refonte complète du site Internet dans le contexte que je vous ai précédemment mentionné. La dépense maximale autorisée est de 88 772,20. Elle sera payée en fait en partie à même poste budgétaire du Fonds général que vous voyez à l'écran. Et pour l'autre partie, notre trésorier a vraiment mis moitié-moitié, c'est 10 sous dans chacun, à même l'excédent de fonctionnement non affecté au 31 décembre 2020. Alors, et les factures qui seront émises d'ici le 31 décembre seront aussi autorisées. En fait, on autorise le paiement dès maintenant, pourvu que les conditions habituelles soient respectées, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une recommandation favorable ici de la directrice du service des communications. Vous êtes habitué d'entendre parler du directeur des infrastructures, mais ce n'est pas lui qui va gérer le site Internet. Toutes les clauses du contrat doivent aussi être respectées et finalement, le montant maximal de dépenses autorisées par la résolution doit être respecté. Je pense que ça aussi, c'est quelque chose que tout le monde sont très excités d'avoir un nouveau site Internet. On est dû. Oui. Un vote. Pour. 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 Dans les réceptions de travaux et autorisations de paiement, on a deux résolutions ce soir. La première concerne l'aménagement du sentier polyvalent dans le secteur de l'école Birchwood, que vous avez peut-être suivi au cours des dernières semaines. Donc, en fait, l'autorisation de contrat pour les travaux avait été donnée en juin dernier. L'inspection provisoire a eu lieu le 27 septembre. Des travaux restent à compléter, là. C'est la firme CDGU qui recommande de procéder à la réception provisoire des travaux, ce qui va entraîner aussi une certaine libération des retenues. Alors, il vous est proposé de procéder à la réception provisoire. Ensuite, une fois qu'il y aura eu réalisation de certains travaux à compléter et correction de certaines déficiences, on autorise aussi la libération partielle des retenues, c'est ce qu'on appelle dans le jargon le premier 5 % aux conditions habituelles, c'est-à-dire que le contrat doit être respecté, qu'il doit avoir une recommandation favorable et écrite de la firme CDGU et le directeur des infrastructures ne doit pas avoir d'objection non plus au paiement. Un vote? Pour. 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 La dernière résolution d'importance, si on veut, mis à part la levée de la séance, ce sera le resurfaçage des voies publiques pour l'année 2020. C'est la réception définitive des travaux. Autrement dit, ça fait plus d'un an que la réception provisoire a été donnée. En fait, elle avait été autorisée par une résolution d'octobre de l'année 2020. Donc, l'inspection finale a eu lieu le 4 octobre, c'est-à-dire hier. Alors, on procède ce soir à la réception définitive des travaux. On autorise la libération des retenues, toujours aux conditions habituelles. Un vote? Pour. 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 Pour.
au niveau des dépôts de documents, je dépose la liste des engagements qui est en date du 28 septembre dernier. La liste des personnes embauchées, c'est un dépôt qui est fait conformément au règlement 834, donc les personnes embauchées qui ne sont pas des cadres depuis la dernière séance. Je dépose également l'état comparatif des revenus. C'était un dépôt qui est fait en vertu de l'article 105.4 de la loi sur les cités et villes, un peu devancé en cette période électorale. Et finalement, le procès-verbal de la correction qui a été apportée à la résolution dont vous voyez le numéro à l'écran. En fait, il y avait eu une correction des numéros de lot. Alors, pour que le notaire puisse procéder à la transaction, la résolution devait être mise à jour. On va lever la séance. Un vote? Pour. Pour. Yes, pour. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Et probablement nous autres aussi. Oui.